vice? Sì. Stai, era così. Quello con il ferro. Parlasse Big John, c'est un spécimen de triceratops complet, un squelette de triceratops, et il s'agit du triceratops le plus grand au monde. Il était scientifiquement décrit, il a eu toutes ses mesurations prises sur son crâne, et on a réussi à démontrer qu'elle est le plus grand triceratops jamais retrouvé au monde. Il était découvert en 2015 aux États-Unis, dans les Dakota du Sud, par un prospecteur professionnel, donc une société qui s'occupe de la recherche des fossiles. Le triceratops est un des dinosaures les plus connus au monde. Tout le monde connaît les trois cornes des triceratops, la puissance de cet animal de l'âge d'or des dinosaures au Crétacé. Après, sa taille, un dinosaure si connu et son spécimen le plus grand, c'est assez important. Et la chance d'avoir un squelette complet jusqu'au 60%, c'est aussi incroyable. Les triceratops, d'habitude, ils se retrouvent que sous forme de crânes, qui sont souvent dans les collections. On a retrouvé sur sa collerette une blessure qu'il était étudiée par l'Université de Chieti avec le département de paléopathologie, qui l'a démontré comme cette fenêtre, cette ouverture, c'est le résultat d'un combat. C'était un autre triceratops qui était en train de se battre avec Big John. Il a percé complètement la collerette avec son corps en laissant cette blessure qu'il était super bien étudiée pendant plusieurs mois. Oui, nous sommes au tout début de notre travail, mais dès à présent, nous avons beaucoup d'intérêt. C'est la première année où il y a autant d'intérêt si tôt, d'ailleurs. Généralement, les acheteurs se révèlent très tard. Là, il y a déjà quelques acheteurs qui se sont manifestés et on attend une estimation de 1,2 million à 1,5 million en espérant, en vente publique, avoir plusieurs acheteurs complètement passionnés et qui fassent envoler les enchères. C'est notre métier.